Je crois que la question du troisième mandat brûle toutes les langues. Mais il faudra qu'on soit clair, la position de notre parti est très claire. Il n'est pas question de troisième mandat. Je suis parmi qui, en 2012, dans IDI 4e président, où j'étais le chargé des questions politiques et stratégiques, combattu le troisième mandat d'Abdoulaye Wade à la place de l'obélisque. Je traîne encore une toux que j'ai ramassée sur les lacrymogènes qu'on m'avait jeté. Le seul candidat qui avait dit qu'il était républicain et que s'il y avait, si le Conseil constitutionnel décidait que Wade devait être candidat, il allait partir en élection, c'était Macky Sall, aujourd'hui président. Moi, à mon tour, je reste républicain toutefois. Si le Conseil constitutionnel en décide autrement, je me plie derrière la décision du Conseil constitutionnel. Mais pour l'avancée démocratique de notre pays, je ne pense pas qu'il traverse dans la tête d'aucun leader la question du troisième mandat. Ce mot parti, le mot khalat, du troisième mandat, d'affanek lu leer. Mon moyen d'accord du troisième mandat du tay ak suba. Bokuna man mi jité parti bi ci ñinga xamanteni bi ni def IDI 4e président 2012 ño doon xex place de l'obélisque goudi ak beccëk pour wax Abdoulaye Wade do am troisième mandat ben candidat rek mo ni won bu conseil constitutionnel d'accordé mandat bobu dafa wara def man dina dem élection mom moy Macky Sall bi yalla def tay ji président de la république. Sama parti mi ngi garder la même posture. Mom moy d'accord nous ci ben troisième mandat waye nak ay républicain nañu bëss bu conseil constitutionnel valider troisième mandat bu féké Macky Sall demandé nako bu boba timit dañuy rester républicain d'accord ci troisième mandat bobu dox ko lolu mom moy suñu position wu parti ci li wante li ñu fokk ba fokk mom moy li nga xamanteni mo wara jëmele démocratie kanam Sénégal tolotul fuy ben candidat wala ben leader di xalat ay mandat de 3 heures bi nga xamanteni tek nañu constitution bi def ko mandat de 2.